Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent, donc numéro 19. Donc on touche à sa fin. Enfin, le calendrier touche à sa fin. Lorsque c'est un collier, vu l'épaisseur du paquet. Et oui. C'est le quatrième. Et donc nous avons le médaillon de Gryffondor. Voilà, donc j'ai la collection des 4 médaillons de la même. Comment dire, fait du même modèle, de la même collection. Voilà. Il est vraiment joli. J'adore les détails qu'il y a. Et l'impression que ça donne qu'on regarde à travers une boule de cristal, comme ça. J'aime beaucoup. Vous voyez le reflet dedans, mais c'est super joli. Donc, il va pouvoir aller rejoindre ma collection. Je suis contente, comme ça j'ai les 4 blasons de chacune des maisons Harry Potter, même si ma préférée forcément c'est ma maison, c'est Poufsouffle. Voilà, mais j'aime beaucoup. Donc merci Marilyn. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le 20 décembre, il doit être aux alentours de 8h du matin. Et donc je reviens vers vous pour ouvrir le calendrier de l'Avent numéro 20. Ouais, ce coup-ci je ne l'ai pas ouvert à minuit, mais voilà. Hier, impossible de dormir comme il fallait avec ma cheville, je ne savais plus comment la mettre, donc voilà. Oh, elle est toute jolie. Regardez-moi ça. Je vais vous enlever le plastique parce qu'avec les reflets de la lampe, ça va être désagréable. C'est écrit Blooming Library. Il y a un chiffre 7 sur 20. Alors je ne sais pas si c'est une illustration en petite quantité ou pas, j'en sais rien. Mais voilà la jolie carte. Enfin, même magnifique carte. Elle est trop belle. Et c'est écrit Pordenium at the Ministry, je sais pas comment on dit, un fils de mystery en bas sur le livre. Vous remarquerez mon super accent anglais qui s'améliore pas. Elle est magnifique cette illustration, j'aime beaucoup. Alors je vous mets derrière comme ça si vous voulez les références, mais elle est vraiment très 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 jolie. Et je vais dire, je vais la mettre avec les autres, mais entre les deux, avec les sorcières plus Luna Lovegood là-bas, faudrait que je voie si, selon la dimension, si je peux trouver un cadre à cette dimension pour la glisser dedans. Je la mettrais bien là en fait. Je la mettrais directement au mur, je pense, celle-ci. En tout cas, merci Marilyn, elle est vraiment très 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 jolie. J'adore. Franchement, elle est trop belle. Puis j'adore de voir le ciel étoilé, etc. Et là, on a plein de petites étoiles, des étoiles filantes, la lune. Elle est vraiment super jolie. Donc voilà pour le calendrier du 20e jour. Du 20e jour, pardon. Je vais l'arranger parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc ça veut dire qu'il nous reste 4 cadeaux à ouvrir. Et après, ben, vous n'aurez plus de déballage de calendrier de l'Avent. Moi, je n'aurai plus rien à ouvrir. C'est qu'on y prend goût, hein. Mais en même temps, je suis tellement ravie du contenu de ce calendrier de l'Avent que... Pff, voilà, quoi. Mais cette carte est juste magnifique. Il faut que je prenne les dimensions, voir si ça rentre dans un cadre, parce que je vois pas trop ce que c'est comme format. Donc à voir, mais je trouverai une place bien à part pour l'accrocher. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve demain. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vais juste à l'instant de me réveiller. Donc je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent numéro 21. Et c'est ça. Et donc on va voir ce que c'est. C'est mou. C'est mou et c'est bizarre en même temps. Ça peut être vachement ce que je vous dis là, mais bon. Elle est trop belle. Donc on a une trousse Harry Potter. J'adore. Elle est magnifique. Donc on a le chapeau. Les 4 créatures de... Je vais y arriver. Les emblèmes, enfin les 4 animaux des emblèmes de chacune des maisons.
et l'éclair qui est en relief. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, celui-ci est en relief, tout comme la petite étoile qui est là. Mais elle est trop belle. Elle est... je peux même pas vous dire si c'est plutôt un noir brillant ou un bleu foncé brillant, tellement... c'est vrai que la lumière artificielle, ça aide pas, mais elle est magnifique. J'adore. Donc, merci Marilyn. Elle est trop jolie. Mais limite, vous avez même peur de l'utiliser, de peur de l'abîmer, quoi. Et franchement, j'adore le dessin. Elle est magnifique. Bon, bah, merci Marilyn. Encore une fois, je suis ravie du cadeau du jour et je vous retrouve demain pour la suite. Bye bye. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, il est minuit 20 et quelques, on est le 22 décembre et je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent. Donc si j'ai des taches ici ou là, c'est, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que j'ai refait ma couleur ce soir. Donc c'est peut qu'il démarque quelque part. Bon, on va éviter de se taper Noël avec des cheveux blancs quand même. Ce serait moyen. Oui, c'est trop chou. C'est notre carte. Et c'est Hagrid. Oui, parce que Marilyn a fait ceci, mais en fait on voit à travers. Du coup il manquait un bout de papier, donc du coup je sais déjà qui c'est. Bon, j'arrive pas à me battre avec mon scotch. Il est trop mignon. Regardez-moi ça. Bon, là par contre j'ai vraiment plus de place sur l'étagère. Je sais pas comment je vais faire. Faut que j'essaie de serrer, voir si j'arrive à la mettre à côté de Luna. Je me trouve trop chou. Donc apparemment ça viendrait du Warner Bros Studio Tour, comme c'est indiqué au dos. Donc, comme pour la carte de Luna. Mais Hagrid il est trop chou par contre, j'adore. Trop une bonne bouille. Donc, merci Marilyn. Je vais essayer de lui trouver une petite place avec les autres. On va pas laisser Hagrid tout seul quand même, ce serait dommage. Et sinon il me reste... Et vu que le 24 finalement on part pas le 23 au soir mais le 24 au matin, je pourrais vous faire le déballage du calendrier. Parce que oui, on avait dit qu'on l'ouvrirait, qu'on l'embarquerait avec nous, mais j'ai pas mon caméscope avec moi pour filmer à Paris. Donc voilà, je vais pas l'embarquer avec. Donc bon, finalement je pourrais l'ouvrir avant de partir. Elle est trop belle cette carte, j'adore. Donc merci Marilyn. Et puis ben je vous dis pour vous tout de suite, mais pour moi à demain. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche matin, il est 1h20 passé le matin. Et donc je vous retrouve pour le 23e cadeau du calendrier de l'Avent. C'est l'avant-dernier. Oui. Je vais enfin pouvoir utiliser la malle en attendant. C'est tout mou ça. Marilyn, je ne sais pas du tout comment ça s'attache. Va falloir que je trouve un tuto parce que non, c'est pas mon truc ça. Alors je vous montre quand même. Hein. Et oui, je suis une brêle. Donc c'est la cravate pouf souf. Donc la cravate de ma maison. Sauf que je ne sais pas mettre une cravate. Je ne sais pas faire les nœuds de cravate. Donc on va avoir un souci. Je montre l'écusson. Elle est magnifique. Quand je l'ai vue, j'ai espéré que vous savez, c'est celle où limite c'est un élastique qui se met autour du cou, mais elle est déjà faite. Mais en fait, non. C'est une vraie cravate où il faut faire un nœud et je ne sais pas comment on fait. Donc voilà. Elle est magnifique, elle a un côté un peu irisé comme ça. J'aime beaucoup. Avec le blason du Mamaison. On a aussi le blason ici. Et il y a ça en dessous. Mais je ne sais pas comment ça se met. Donc, il va falloir que je trouve comment on fait. Les couleurs sont très belles. Je ne sais pas si ça rend vraiment justice à la caméra. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs en vrai. Merci Marilyn. Tu es complètement dingue. Comme j'ai dit au moins 150 fois dans ces vidéos de calendrier de l'Avent. Mais j'aurais été pourri gâtée. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis ben moi je vous retrouve demain pour le tout dernier déballage de ce calendrier de l'Avent. Mais en même temps vu comment j'ai été pourri gâtée,
Voilà quoi, j'en suis, à part dire merci, 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 merci à Marilyn, je sais même pas comment la remercier à la hauteur de ce calendrier, donc c'est juste complètement dingue. Et bah Marilyn, t'as un cœur énorme et je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le 24 décembre, il est 00h01 et on se retrouve pour le dernier calendrier de l'Avent. Donc je sais pas, ça me fait penser à un coussin, maintenant on verra bien ce que c'est. Luna, s'il te plaît. Pas du tout un coussin. C'est complètement malade. Ah, je suis choquée. Alors Marilyn ne m'a rien offert d'autre que la cape de sorcier à Hufflepuff. T'es malheureux, complètement dingue. Complètement dingue. Pour vous montrer ce que ça fait, je vais prendre mon téléphone et demander à la chérie de prendre une photo. Et je vous l'insérerai ici, la photo, pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois portée. Mais j'ai une cape Hufflepuff. Oh, j'arrive plus à parler. J'ai une cape de sorcier Hufflepuff. Je comprends bien pourquoi il y avait la cravate hier. C'est complètement malade. Alors, en tout cas, j'avais raison. Hein, plus on s'approchait de Noël et plus les cadeaux sont complètement dingues. Je suis sans voix là. Donc, à part te dire mille fois merci pour ce magnifique calendrier d'avant, malheureusement, je sais pas quoi te dire d'autre, Marilyn. Merci mille fois. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller me remettre de mes émotions. Hein. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder les cadeaux que Marilyn m'a fait tout au long de ce mois de décembre. Moi, je suis plus que ravie, plus que refaite avec tous ces merveilleux cadeaux. J'ai préparé le sac à main. J'ai changé de sac à main pour pouvoir prendre celui de Marilyn avec pour les fêtes. Et j'en suis sans voix. Voilà. Donc moi je vous dis à très vite dans un autre type de vidéo. Je vous souhaite un très bon réveillon parce que même si Noël est passé, il reste Nouvel An à venir. Donc de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez été gâtés comme j'ai pu l'être tout au long de ce mois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.